nos péchés coulés, son sang a coulé pour nos péchés coulés, son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. À Golgotha coulé, son sang a coulé. À Jérusalem coulé, son sang a coulé. À Golgotha coulé, son sang a coulé. À Jérusalem, à Jérusalem coulé, son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. Son sang a coulé, recelé. Ce matin, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Et qu'il a versé ce sang qui parle encore à ta faveur jusqu'aujourd'hui. Ce sang qui crie, qui crie, qui crie en ta faveur, qui crie bénédiction, qui crie guérison, qui crie délivrance, qui crie élévation pour toi. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Oh Saba Baba, est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Tu peux commencer à demander à ce merveilleux sang d'avoir sa puissance, de se manifester dans ta vie, de se manifester. Que l'autorité du sang de Jésus-Christ se manifeste puissamment ce matin. Que la puissance et la force qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ t'appartient ce matin. Demande au sang de Jésus de couler sur toi, de couler dans ce lieu, de couler dans ta famille. Le sang de Jésus est contre toi, Satan. Le sang de Jésus est contre toi ce matin. Satan, le sang de Jésus est contre toi ce matin. Satan, le sang de Jésus est contre toi ce matin. Oh Satan, le sang de Jésus est contre toi ce matin. Diable, le sang de Jésus est contre toi ce matin. Prince des airs, le sang de Jésus est contre toi. Prince de ce monde, le sang de Jésus est contre toi ce matin. Prince du monde, le sang de Jésus-Christ est contre toi ce matin. Et contre toi ce matin. Accusateur, le sang de Jésus-Christ est contre toi ce matin. Accusateur des enfants de Dieu. Accusateur des chrétiens. Je dis que le sang de Jésus-Christ est contre toi ce matin. Toi qui accuses l'Église. Je dis que le sang de Jésus est contre toi ce matin.
Le sang de Jésus est contre toi ce matin. Oh Shabada Bakala Mabada. Prie, prie, demande que le sang de Jésus soit contre les sorciers de ta vie. Ce matin, que le sang de Jésus-Christ soit contre tous ceux qui en veulent à ta vie. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent t'égorger comme viande à la fin de cette année. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent égorger les membres de ta famille. Que le sang de Jésus-Christ soit contre les sorciers de ma famille. Que le sang de Jésus-Christ soit contre tout occulte, tout occultisme. Ligué contre moi, ligué contre ma famille, tout mysticisme, ligué contre moi. Je dis que le sang de Jésus-Christ, je dis que le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est contre vous. Ce matin, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Orapataka bababada, ribadababa, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Ceux même qui nous suivent à distance, ceux qui n'ont pas pu avoir le train pour venir, oui, commencez à prier. Demandez que le sang de Jésus-Christ soit contre vos ennemis. Que le sang de Jésus-Christ parle en votre faveur ce matin. Kalababa, Shendarabadoga, Sundibababa, Kalando Kasintalababa. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je te suivrai toute ma vie. Oh, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Encore, je te suis. Oh, toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Encore une fois. Oh, je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je te suivrai toute ma vie, oh, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai, Kalamado Bada Santare, mon salut encore. Je te suivrai toute ma vie, le Seigneur.
Seigneur Jésus m'a sauvé, je te suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je te suivrai toute ma vie. Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Disons-le encore. Je te suivrai toute ma vie. Oh, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Encore une fois, je te suivrai toute ma vie. Seigneur Jésus m'a sauvé. Je te suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je veux honorer la mémoire d'un général de Dieu qui est retourné dans la félicité, Rena Bonke. Ce matin, je veux honorer sa mémoire. Il a été un modèle. Comme d'autres généraux ont été des modèles pour moi. Comme Zacharias Daniel Fomon, sans compter d'autres. Ils ont été un modèle. Il est entré dans sa félicité hier. Je veux honorer sa mémoire. Je veux déclarer. Quel grand homme de Dieu. Je veux honorer ce qu'il a fait à au moins 70 millions de personnes sur la planète Terre. Je veux honorer sa fidélité. Je veux honorer une vie sans scandale. Une vie d'évangile pur. Une vie d'évangile sans compromission. Je veux bénir son serviteur. Je veux bénir les œuvres qu'il a faites. Je veux bénir l'Éternel qu'il a utilisé. Je veux bénir Dieu qu'il a donné comme instrument à toute la nation. Nous bénissons Dieu pour son serviteur. Alléluia. Alléluia. Un tel homme mérite des acclamations. Un tel homme mérite des acclamations pour entrer dans la félicité. Une telle personne mérite des acclamations. Je dis, il mérite les acclamations. Il mérite. Rena Bonke mérite des acclamations. Rena Bonke mérite des acclamations. Je dis, mérite. Il mérite des acclamations. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Son serviteur est entré tranquillement dans la félicité. Alléluia. Et nous le verrons. Amen. Au ciel, au paradis, au ciel, au paradis, au ciel, au paradis, au ciel, au paradis. Je verrai Abraham, je verrai Abraham, au ciel, au paradis. Ah non, vous ne connaissez pas chanter ça? Alléluia. On sent que nous, on est des vieux rococos dans cette histoire-là. Amen. Quand on allait à l'évangélisation, on chantait, asseyez-vous, on apprendra, je vous apprendrai ça un autre jour, alléluia, pour qu'on gagne du temps, amen. Rena Bonke hier, alléluia, est entré dans la félicité, amen, alléluia. Le Seigneur l'a rappelé près de lui, il a jeté sa couronne, amen. Il a jeté sa couronne devant le roi de gloire, alléluia. Je dis, il a jeté sa couronne hier devant le roi de gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Pour ce don précieux qu'il a donné à l'humanité. Alléluia.
Ce matin, je parlais à la prophétesse, un homme vraiment sans scandale. Quand il venait en Afrique, il réunissait des millions de personnes. J'avais des cassettes de Rena Bonke. Vous connaissez les cassettes vinyle, comment on appelait ça? Avec les bandes là. Audio. Peut-être c'est encore... Oui, c'est dans mes... Je vais le rechercher. On n'a plus des appareils pour ça. Je mettais ces prédications, je dormais avec. Alléluia. Ça me berçait. Parce que c'était l'évangile pur. C'était l'évangile qui te fait sortir vraiment du péché et entrer avec Jésus-Christ et marcher dans la gloire. Alléluia. Quand tu écoutes ces messages, tu jettes le péché très loin de toi. Tu sens que le péché, là, non, c'est pas ton ami. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous pouvez me donner vraiment un amen? Qu'il soit vraiment un exemple pour vous et moi. Alléluia. Du service du Seigneur. Ce matin, on va parler de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Alléluia. Vous avez vu, je vous ai donné des bouteilles d'eau. Amen. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Les chrétiens sont aujourd'hui comme des soldats qui ont des arsenals militaires, mais ils ne savent pas utiliser. Il y a des peuples en Orient. L'Égypte aussi avait acheté, je crois, des avions à la France. Des avions militaires qu'ils ne savaient pas utiliser. Ils étaient obligés d'appeler des pilotes de chasse français pour aller les former. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui sont un peu comme ce pays-là. Vous avez des armes entre vos mains, mais vous ne connaissez pas utiliser. Et l'ennemi vous désaxe souvent. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont désaxés, abattus devant l'ennemi, alors qu'ils sont solidement et lourdement armés. Dis, je suis lourdement armé. Ah non, le Seigneur m'a lourdement armé. Et ce matin, je vais commencer à utiliser les armes qui sont miennes. Alléluia. Alléluia. Notre ennemi, nous le connaissons déjà. Lorsque tu connais ton ennemi, amen, tu n'as plus peur, tu connais ses stratégies. La Bible dit que c'est un veau. Il vient seulement pour égorger et détruire. Alléluia. Donc on connaît déjà sa stratégie. On connaît sa stratégie depuis le jardin d'Éden. La Bible a déjà même donné son nom. Il peut se transformer en accusateur. Il peut se transformer en Lucifer. Il peut se transformer en diable, en adversaire, le prince de ce monde, le prince des mondes des ténèbres, le prince des airs. Voilà toutes les transformations qu'il peut avoir pendant le combat. Mais il demeure le même. Et l'arme que nous avons peut toujours le détruire, même s'il se transforme, même s'il se métamorphose. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. La Bible nous dit aussi que notre ennemi que nous connaissons, le diable, le prince de ce monde, l'adversaire, le prince des ténèbres, le prince des airs, a été déjà dépouillé. Donc, lorsque nous allons dans le combat spirituel, nous allons vers quelqu'un qui a peut-être des armes, mais il n'a pas de cartouches. Ou il a des armes factices. Quelqu'un me donne mon amen. Je suis en train d'introduire là. Donc, le diable a déjà son CV qu'on connaît. Voilà son CV que je viens de donner là. Voilà le CV du diable. Quelqu'un de dépouillé. Il vient seulement pour détruire. Voilà. Et un CV qui est déjà avec des cases crochetées d'échecs. Échecs, échecs. Échecs pourquoi? Nous, échecs parce qu'il a été chassé déjà au ciel.
Il a eu la première défaite que le diable, notre ennemi, a eue. C'était au ciel, lorsqu'on l'a chassé. Lorsqu'il voulait prendre la place de Dieu. Lorsqu'il a organisé un coup d'état, je devais dire divin. Et il a été neutralisé, il a été chassé. La Bible dit qu'il est descendu sur la terre. Mais sur la terre aussi, ma fille, il a été aussi vaincu. Quelqu'un peut dire amen. Il a été vaincu au ciel. Et sur la terre aussi, il est... Alléluia. Nulle part dans la Bible, on ne me montre la victoire de Satan. Ni la victoire d'un sorcier sur les enfants de Dieu. À chaque fois, quand Satan et ses ennemis se sont opposés ouvertement aux enfants de Dieu, ils ont été toujours dans la défaite. Quelqu'un peut dire amen. Et ce matin, je veux te parler d'une arme que tu as et qui est très puissante. C'est le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi le sang de Jésus-Christ. Ah non, 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 ta façon de dire le sang là, c'est... Dis avec moi le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Donc Satan a été déjà vaincu au ciel. Lorsqu'on lit dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'à 17, et aussi Colossiens chapitre 2, verset 15, l'autre vous allez lire à la maison, et on va lire Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de par quoi? Par la croix. Lorsqu'on parle de la croix ici, on parle là où le sang a été versé, là où la victoire a été donnée. On vient de chanter, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Alléluia. Donc, il y a eu un endroit où cette victoire a été donnée. Quelqu'un peut dire amen. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Dis, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Continue. Et les autorités. Et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Dis, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix, par le sang de la croix, Jésus-Christ a triomphé pour moi et ma famille ce matin. Asseyez-vous, je vais vous dire la puissance qu'il y a dans le sang. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Lorsque tu chantes, Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Alléluia. Je veux le louer, je veux le louer. Ce n'est pas des paroles qui sont en l'air. Lorsque tu connais la puissance qu'il y a dans une arme. Alléluia. Ça dit, il y a des armes dissuasives en guerre. Alléluia. Il y a des armes qu'on appelle les armes de dissuasion. Tu comprends ma fille? Ici en France, quelle est l'arme de dissuasion que la France a? La bombe atomique. Hein? Donc le sang de Jésus là, c'est ta bombe atomique. Non, non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis, le sang de Jésus, c'est la bombe atomique des chrétiens. Je dis à un chrétien qui m'écoute, même ceux qui n'ont pas pu prendre le train parce qu'il y a grève, je dis, le sang de Jésus, c'est ta bombe atomique. C'est ton arme de dissuasion. C'est l'arme que quand tu as, aucun ennemi ne peut te brancher. Vous croyez que la France parle fort, pourquoi? Elle parle fort partout. On n'est que 67 millions d'habitants. Le Nigeria seul peut avaler toute la France trois fois. Pour que le Nigeria envahisse la France, s'il n'y avait pas l'arme de dissuasion, divisons les 400 millions de Nigérians par 67. Ça va te donner combien? Ça veut dire qu'un Français va être contre 5 Nigérians au moins. Là, il n'y a pas match, non?
Mais à cause de l'arme de dissuasion, le Nigeria, même étant nombreux, ne peut pas attaquer la France. Donc à cause du sang de Jésus, qui est ton arme de dissuasion, je dis que l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Je dis que Satan a peur de toi. Je dis que l'enfer a peur de toi. Lorsqu'il y a guerre, il dit là-bas, là, il y a une bombe là-bas. Dis-je une arme de dissuasion très puissante. Le sang de Jésus-Christ. Ah non, 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 vous ne comprenez pas vraiment ce que je suis. Je dis le sang de Jésus. Alléluia. Donc, dans une guerre, lorsqu'il y a guerre, si tu ne connais pas l'utilité, la force, la puissance de l'arme que tu as, tu peux avoir peur. Il y a des pays comme l'Afghanistan. Alléluia. Le Pakistan, pardon, pas l'Afghanistan. L'Inde. Où on ne peut pas les attaquer. Pourquoi on n'attaque pas la Chine? Il n'y a pas de démocratie en Chine. Mais parlez-les. Même les États-Unis, ils vont ronfler seuls, ils vont rester. Ils vont rester à la Maison Blanche. Parce que quoi? Arme de dissuasion. Dis avec moi, arme de dissuasion. Contre Satan. Et tous ses acolytes. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant. Je dis le sang de Jésus-Christ est plus puissant. À partir de ce matin, je vais commencer à utiliser mon arme puissante contre les œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chrétien, tu as une arme de dissuasion. Le sang de Jésus, c'est plus puissant que le sang des boucs et des agneaux. C'est plus puissant que le sang des veaux. C'est plus puissant que n'importe quel genre de sang. Lorsque tu as le sang de Jésus, aucune armée mystique ne peut t'attaquer. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Je croyais que quelqu'un devait acclamer. Alléluia. Il y a une puissance dans le sang. Et je veux vous expliquer en avançant, je suis en train d'introduire. Le témoignage que nous avons depuis que nous connaissons le Seigneur, même comme nous venons de parler de notre cher général, pardon, du cher général de Dieu, pardon, qui vient de partir, lorsqu'il te parle du sang de Jésus, on était tout petits chrétiens, des bébés, il nous parlait déjà du sang. Alléluia. Du sang de Jésus-Christ. C'est un témoignage que nous avons de génération en génération. C'est un témoignage. Par ce témoignage, nous reconnaissons que dans le sang de Jésus, il y a une puissance que tu ne peux pas comprendre. Dis avec moi, il y a une puissance que l'ennemi ne peut pas comprendre. Que seuls ceux qui ont, le Seigneur peuvent comprendre. Alléluia. La puissance. Amen. Le sang, c'est quoi en quelque sorte, avant que je conclue, disons, l'introduction. Le sang, c'est quoi pour vous? Le sang, c'est quoi? Hein? Le sang, c'est quoi? C'est la vie. Oui, c'est la vie. Mais comment on peut définir le sang? C'est un liquide qui circule dans les artères et dans les veines et qui donne la vie à un corps. Alléluia. Et lorsqu'on retire tout le sang, il n'y a plus de vie. Donc le sang, justement, fait le lien de la vie. Lorsque tu vois le sang, c'est que tu as vu la vie. C'est pourquoi lorsque le sang est versé quelque part, on se dit qu'il y a une vie qui est perdue quelque part. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque le sang est versé, ça veut dire qu'il y a une vie qui a disparu. Alléluia. Lorsque vous allez comme sur l'autoroute, quand vous voyez qu'il y a le sang, ça veut dire que soit quelqu'un a fait un accident grave et que le sang s'est versé, ou quelque part vous voyez le sang, vous allez tout savoir que, il y a la vie. Est-ce que c'est ça, non? Si vous entrez dans votre immeuble, là, tac, dans le... quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Amen. Donc le sang montre qu'il y a la vie. Donc lorsqu'on a le sang de Jésus-Christ, ça montre que Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi et moi. À la croix. Donc, qui a Jésus qui a donné sa vie à ta place? Pourquoi Jésus a donné ta vie à ta place? À qui Jésus a donné? C'est à Dieu, hein? Écoutez-moi.
Jésus ne s'est pas sacrifié pour Satan. Hein? Le sang que Jésus a versé là, ce n'était pas pour Satan. C'était pour le Seigneur. Afin que tu sois pardonné, toi et moi, nous serons pardonnés de notre péché. Quelqu'un peut entendre ce que je suis en train de dire là? Alléluia. Parce que quoi, il y a quelqu'un qui devait venir t'accuser. La Bible l'appelle l'accusateur. Alléluia. Ah, tu as péché, elle a péché. Elle n'a pas le droit que tu lui donnes ces choses. Mais à cause du fait que Jésus a versé son sang, ce sang vient parler à ta place. Ce sang vient montrer que non, il y a déjà eu un sacrifice pour le péché. Car la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. C'est dans le livre de Hébreux, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc le sang que Jésus-Christ a versé, c'était pour que Dieu puisse nous pardonner, pour que Dieu pardonne notre péché. Et lorsqu'il est arrivé dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Hébreux chapitre 10, versets 5 à 9. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as donné un corps et je viens au Dieu. On va le lire, Hébreux chapitre 10, versets 5 à 9. Je suis en train de vous introduire dans la puissance du sang, dans la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Il faut utiliser cette arme. Et lorsqu'on ne connaît pas utiliser une arme, on peut la voir entre les mains. Alléluia. Mais on ne sait pas le manipuler. Lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. Hébreux 10, versets 5 à 9. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Tu n'as voulu ni sacrifice, c'est Christ qui le dit. Ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste. Ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit. Voici je viens. Dans la Bible, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu. Ta volonté. Après avoir dit d'abord. Tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Voilà. Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Oui. Ce qu'on offre selon la loi. Parce que la loi disait ceci. Lorsque tu fais un péché, il faut apporter un sacrifice. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 21, vous voyez que Dieu a habillé Adam et Ève d'un pot d'animal. Ça veut dire quoi? Dieu a versé le sang pour lui-même. Parce que quoi? Lorsque tu pêches, ça met une barrière entre Dieu et toi. Et il n'y a que le sang pour venir éliminer cela. Alléluia! Dans le sang de Jésus, le sang est très puissant. C'est pourquoi certains occultistes, ils ne comprennent pas la puissance. Comment Dieu fait des choses, ils se mettent même à boire le sang humain. Vous connaissez qu'il y a des gens qui boivent le sang humain. C'est la vie d'un homme qui boivent. Parce qu'il y a la vie dans le sang. Et la Bible dit que vous ne mangerez pas du sang. Parce que l'âme se trouve dans le... Alléluia. Bon, il y a beaucoup de débats théologiques dessus. Je ne peux pas y aborder. Alléluia. Il y a beaucoup de débats théologiques. Non, mais on n'est pas dans les... Je ne suis pas dans les débats théologiques. Je suis en train de vous enseigner ce qu'il y a dans la puissance du sang. Alléluia. Parce que certains chrétiens vont entrer dans les débats. Disons, on peut manger, on ne peut pas manger. C'était... Alléluia. Mais je vous enseigne. Donc, lorsqu'il y a eu la peau d'animal, ça veut dire que Dieu a tué un animal. Quelqu'un peut dire amen. Dieu a tué un animal. Et le sang de Jésus nous permet aussi d'accéder directement devant Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 18. Pour recevoir le pardon, le sang de Jésus te permet. Le sang est très puissant. Hein? Je vous ai dit que c'est une arme très dissuasive. Que les chrétiens ne savent pas utiliser. Non seulement ça anéantit l'ennemi, ça te permet aussi d'entrer devant Dieu
C'est à travers le sang, ma fille, que tu entres devant le Père. Donc lorsque tu commences ta prière là, quand tu dis notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton maintenant sanctifie-moi pas, j'entre pas le sang dans ta présence. Alléluia. Parce que le diable se tient de l'autre côté pour t'accuser comme ils accusaient le sacrificateur Josué. Regarde, il est sale, ses vêtements sont sales. Regarde, Seigneur, elle avait menti, elle avait volé, elle avait fait telle chose, elle avait commis tel péché. Tu ne peux pas, non. Le sang vient te. Alléluia. Voilà la puissance qu'il y a dans le sang. Le sang te donne la rédemption. Voilà une puissance. Hein? Ça veut, la rédemption, c'est quoi? C'est le salut. Ça veut dire que le sang te garantit même que dans le combat, tu ne vas pas mourir. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Le sang te garantit que même si l'ennemi bombarde ton camp, alléluia, il ne pourra pas t'atteindre. Le sang garantit que même si l'ennemi approche ton camp, tu as des radars. Vous avez des radars antimissiles qui les dégagent déjà à distance parce que tu as la rédemption. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Je suis en train de vous amener doucement pour que lorsque vous entrez dans vos moments de prière, vous savez comment utiliser. Vous savez, qui connaît utiliser le sang de Jésus dans la salle? Amen. Combien? Trois personnes. Alléluia. Amen. Quatre. Alors que chacun devait connaître comment utiliser le sang de l'agneau. Continue. 1 Corinthiens 30. Chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. A été fait pour nous quoi? Sagesse. Sagesse et justice. Sagesse et justice. Et sanctification. Sanctification et enfin. Et rédemption. Et rédemption. Asseyez-vous. Rédemption. Dis rédemption. Dis rédemption. Alléluia. Lorsque le sang est sur toi, tu es sûr que tu as la vie. Vous savez pourquoi on devait mettre du sang sur le doigt des pieds et sur les oreilles des sacrificateurs et tout. On devait prendre le doigt et tout. C'était pour identifier qu'ils ont la vie et qu'il y a eu un animal qui a été sacrifié et que cette vie maintenant entre dans la vie du sacrificateur et que plus personne ne peut l'accuser et que leur péché était pardonné. La première arme que le chrétien a, notez-le, la première arme dans le combat spirituel que le chrétien a, c'est le sang de Jésus. Et pourquoi le sang de Jésus? Comment ça fonctionne? Comment le sang de Jésus fonctionne? Le sang de Jésus fonctionne lorsque nous avons entièrement confiance. Lorsque le chrétien a entièrement confiance par rapport à ce que Christ a fait à la croix pour lui. Quand tu as entièrement confiance que vraiment c'est pour toi que Jésus est mort à la croix, le sang commence à manifester sa puissance. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque tu as entièrement confiance à ce que Christ a fait à la croix pour toi, voilà où commence la puissance du sang. Mais si tu n'as pas cette confiance, ça veut dire que tu ne peux pas avoir la victoire. Tu as la victoire devant l'ennemi, quand tu es sûr que là, il a été aidé et qu'on l'a vaincu à la croix. Maintenant, ce sang-là vient te couvrir. Vient faire comme, je devais dire, comme un gilet pare-balles.
Viens mettre un bouclier tout autour de toi. Donc quelqu'un n'entend pas. Viens mettre un bouclier tout autour de ta maison. Je dis le sang met un bouclier tout autour de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Le sang de Jésus-Christ met un bouclier tout autour de ta famille en ces fins d'année. Amen. Lorsque tu as cette confiance, le sang devient un bouclier pour toi. Amen. Alléluia. Une confiance, frère, sans avoir peur. Confiance totale. Dis avec moi, confiance totale. Car la Bible déclare, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Vous connaissez bien ce verset. Je vais maintenant vous détailler ce verset. Parce que c'est là où il y a la puissance. C'est le verset qui donne, qui montre qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Alléluia. Mm-hmm. Levons-nous, on va lire la parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ils l'ont fait quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui. Et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Asseyez-vous. Je vais vous montrer maintenant comment on utilise le sang de Jésus. Ma fille Sidonie. Je vais te montrer comment dans tes prières, dans tes combats, tu vas utiliser. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Et à cause de quoi encore? Il y a deux choses. Alléluia. La deuxième chose qui apporte la puissance dans le sang de Jésus-Christ, c'est la parole du témoignage. Dis avec moi, c'est la parole du témoignage. Dis, c'est la parole du témoignage. C'est quoi la parole du témoignage? Lève-toi, tu me dis, ma fille. Alléluia. Confessez ce que Jésus a. Non, pour nous où? À la croix. Pas pour ce qu'il a fait pour nous en tant que chrétiens. C'est confesser ce qu'il a fait à la croix pour toi. C'est pas confesser qu'il t'a donné un mari ou il t'a donné un travail. Non, si tu dis au diable que Jésus m'a donné un mari, les païens ne se marient pas, lui-même il donne des enfants. Alléluia. C'est confesser le témoignage que tu dois donner. C'est témoigner ce que Jésus a fait à la croix pour. C'est ça la parole du témoignage. C'est là où le sang commence à marcher. Lorsque moi je faisais des délivrances, je lisais souvent Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13. Alléluia. Je disais ceci. Il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi et il les a livrés publiquement en spectacle. Je confessais ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix. Ainsi, le sang commence à devenir puissant. Non, je te dis, si le sang commence, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang ne peut pas devenir puissant si tu ne te témoignes pas ce que Jésus-Christ a fait. Quelqu'un n'entend pas ce que j'ai dit? Le sang de Jésus ne peut pas devenir puissant dans ta vie s'il n'y a pas un témoignage qui suit. S'il n'y a pas le témoignage, la parole de ton témoignage, la parole de ce qu'il a fait. Satan, le sang de Jésus est contre toi, car il est mort à la croix pour moi. Car il n'y a plus de malédiction pour moi. Car à la croix, il s'est fait malédiction à ma place. Lorsque tu déclares cela, le sang de la croix vient briser les malédictions. Oh, c'est le sang de la croix vient briser la maladie parce que tu témoignes. Par son sang, je suis guéri. Le sang vient briser le pouvoir de la maladie. Le sang vient briser le pouvoir du péché. Car il dit, celui qui confesse ses péchés et ses iniquités, son sang est capable de le purifier. La parole de ton témoignage, dis la parole de mon témoignage, donne la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Ô chrétien, vous avez une âme, mais comme vous ne savez pas, tu déclares, tu témoignes. Quand tu témoignes, waouh, vous savez. Un jour, je faisais la délivrance d'une sœur à Libreville.
Elle avait plongé longtemps dans l'occultisme. Et elle m'expliquait comment elle fonctionnait dans leur cercle. Parce qu'elle était formée pour devenir Kamsi. Vous connaissez les man ici de choses. Elle était formée. Ah, c'était une délivrance. C'était ma première délivrance difficile. C'est des prêtresses, les marades, les prêtresses du pays, qui ont des locks sur leur tête et elles font des choses, elles mettent les rouges dessus. C'est même pas le lock pour un look, mais elles mettent des rouges dessus. Vous connaissez ça? Tu connais ça? Oui, elles mettent des rouges, les rouges comme ça dessus. Alléluia. Alléluia. Hein? Les coris et les rouges, les trucs, c'est la poudre rouge. Alléluia, c'est la poudre rouge dessus. Alléluia. Elle m'a expliqué que lorsque elles avaient un sacrifice dans leur milieu occulte, le nom de la personne apparaissait dans un... Vous croyez qu'aujourd'hui, là, c'est pas vous qui avez l'écran. Hein? L'écran est depuis dans le monde satanique. Le nom de la personne apparaît sur un écran et tout le monde est assis. Et on voit. Si on appelle le nom de la personne qu'on doit sacrifier et que le sang vient souvent, quand c'était le nom d'un chrétien, le sang venait, ça brouillait et ça effaçait tout le nom de la personne. Mais quand ce n'était pas quelqu'un qui avait Christ, le nom restait et puis on l'attachait en bas d'un arbre, on attend le jour pour venir le nourrir. Vous savez, vous connaissez les chèvres, non? Les chèvres qu'on va tuer, là, on nourrit bien. Tu peux être une chèvre qu'on va bientôt tuer à la fin de cette année-là. On est en train de bien te nourrir. On est en train de bien te nourrir pour te manger et te gorger à la fin de l'année. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as pas Christ, tu es la chèvre des sorciers. Je dis, tu es le poulet qui sera mangé pendant le Merry Christmas. Ah. Alléluia. Donc, elle disait que le sang... On appelle peut-être ton nom, le sang vient faire whoop. Là, tout le monde criait et souvent, eux sortaient de leur réunion, chacun fuit. Alléluia. Bon, c'est elle qui sait là où elle faisait. Vous savez, nous, quand on fait les délivrances, on écoute tellement de choses. Vous savez que nous, vous écoutez certaines choses qui vous effraient. Si vous n'êtes pas solide, quand vous faites la délivrance, un pasteur qui fait de la délivrance comme moi, ah, j'écoutais de ces choses. Tu peux dormir, mais tu... Heureusement que Dieu t'équipe, quoi. Amen. Ce que je vais former dans la délivrance ici à l'église, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Parce que vous avez une âme dissuasive. Vous avez le sang. Alléluia. Satan peut se transformer comme il veut. Satan peut même vous donner un coup de poing. Frère, pendant une délivrance, j'ai entendu un coup de poing. Boum! J'ai crié un vrai coup de poing. Ma fille, on va les avoir. Si tu entends un coup de poing comme ça, diacre, un coup de poing comme ça, tu vas continuer. J'ai crié, j'ai continué jusqu'à la délivrance totale. Alléluia. Amen. C'est un coup de poing pour t'embrouiller. Il n'y a même pas quelques jours, Satan est venu se présenter devant moi. Il s'est présenté devant moi avec ses gants. Quand il se présente là comme ça, je suis sûr que le lendemain, la 2020 est très, très merveilleux. Très, très merveilleux. Il s'est présenté devant moi. Il était musclé. Il avait le torse en... comment on appelle? Par paquet de chocolat. Et... il a commencé à venir dire, il va me détruire. J'ai dit, mais tu es qui? J'ai envoyé un coup de poing. J'ai vu le coup de poing passer entre son torse. J'envoie un deuxième, je vois ça passe. J'ai dit, ah, je sais à qui j'ai affaire. Le sang de Jésus, il a disparu. Ah non, quelqu'un n'a pas applaudi. J'ai dit, le sang. J'ai cru d'abord que c'est quelqu'un qui voulait vraiment. J'ai envoyé un coup de poing, je vois le coup de poing passe. Ah, j'ai dit, hé. Ah, je connais à qui j'ai affaire. Ah, je te connais bien. Le sang de Jésus et le feu. Directement, quand j'ai dit ça, disparu. Et la victoire est pour toi et moi. Amen. Je dis la victoire est pour toi et moi.
Je dis la victoire est pour toi et moi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Dis avec moi encore. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Sorcier, le sang de Jésus est contre vous. Marabout, féticheur, occultiste, le sang de Jésus est contre vous. Le sang de Jésus est contre vous. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la parole de ton témoignage, le témoignage que tu as, frère, c'est ça qui donne la puissance. Écoutez-moi bien. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Les paroles que je vous ai données sont esprit. Donc, lorsque tu donnes la parole du témoignage, ça donne la vie dans le sang. Quelqu'un n'a pas entendu. Lorsque tu confesses ce que Christ a fait pour toi à la croix, le diable sait que tu le connais très bien. Le diable sait que Jésus-Christ est ton père et ton frère, pardon, et que Dieu est ton père. Alléluia. Le diable sait que tu es la sœur de Christ. Quand tu n'est-ce pas quand tu as un grand frère qui est, j'avais un grand frère qui était un grand judoka. Quand tu me parles, je dis que tu connais mon grand frère. Il s'appelle Happy. Il dit, celui qui est judoka là, le champion de l'Ouest, je dis oui, il passe son chemin. Alléluia. Mais quand l'ennemi sait que ton grand frère, ton frère c'est Christ là, il va passer son chemin. Alléluia. N'ayez pas peur qu'il vienne, qu'il se masque de n'importe quel point. Donnez-lui une dose du sang de Jésus. Ouvrez, mettez le code secret de votre bombe atomique. Dang, il part. Je dis ce jour-là, je dis le sang de Jésus et le feu. Bam, il a disparu. Alors qu'il s'est bien présenté. Hein? Vous savez, quelqu'un qui se présente devant vous, il fait ça. Et vous voyez là les plaquettes de chocolat, tu commences à avoir peur. Hein, mon frère. Et il est grand. Toi, tu es tout petit là comme ça. C'est comme Rey Mysterio et Big Kali. Vous connaissez Big Kali? Le Great Kali. Et Rey Mysterio, il est là. Rey, il est là. Amen. Mais finalement, c'est David qui tue Goliath. Dis amen. C'est David qui tue Goliath. Je dis, c'est toujours David qui est vainqueur. Parce que David vient au nom de l'Éternel. C'est toujours toi qui seras vainqueur parce que tu viens au nom de Jésus-Christ. C'est toujours toi qui seras triomphante parce que tu viens toujours au nom de Jésus-Christ. C'est ta famille qui sera triomphante parce qu'elle vient toujours au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le témoignage, c'est notre obéissance et notre loyauté, notez-le, envers le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu témoignes là, c'est ton obéissance, c'est la marque de ton obéissance et de ta loyauté. La parole de leur témoignage, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ne l'ont pas vaincu à cause du jeûne, à cause des prières incessantes. Ils l'ont vaincu à cause du et à cause de la parole de leur témoignage. C'est à cause de ces deux choses, à cause du sang et à cause de la parole des témoignages, l'ennemi est vaincu. Satan est détruit. Alléluia. Alléluia. La troisième chose qui donne la puissance dans le sang de Jésus-Christ. C'est l'authenticité de l'engagement. Notez-le. L'authenticité de l'engagement du chrétien. Ils n'ont pas eu peur. Regardez. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. Ça, c'est l'authenticité, frère. L'authenticité du chrétien envers Jésus. De la loyauté, de ton obéissance. Même s'il faut que tu meurs, tu ne feras pas de compromis.
Même s'il faut qu'on te coupe la tête, tu ne feras pas de compromis. Même s'il faut qu'on te fusille, tu ne feras pas de compromis. C'est ça l'authenticité. C'est ça qui donne la puissance au sang de Jésus. Lorsque tu es authentique, regardez ce verset. C'est un verset qui est très puissant. C'est le verset qui déclenche la puissance de la bombe atomique qui est dans le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est la clé qui ouvre. C'est-à-dire, c'est le code secret de la bombe nucléaire du sang de Jésus. Non seulement la parole du témoignage, maintenant l'authenticité. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas craint. La Bible dit que celui qui cherchera à sauver sa vie là, mais celui qui la perdra pour moi, c'est ce que le verset est en train de t'expliquer, ma diaconesse Paulette. L'authenticité de ta vie chrétienne. Quelqu'un peut dire amen. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas craint. Écoutez-moi ce matin. Le sang de Jésus n'est pas une formule magique à utiliser devant le diable sans être authentiquement chrétien. Le sang de Jésus-Christ n'est pas une formule magique à utiliser devant le diable pendant tes prières. Si tu n'es pas authentiquement chrétien, tu vas dire le sang de Jésus, rien ne va se passer. C'est pourquoi souvent vous dites sang de Jésus, oh, le diable te cogne toujours. Sois un chrétien authentique. L'authenticité, si on te dit là maintenant, on va tuer tout le monde. Regardez-moi un peu. Regardez le nombre qu'on est ce matin. Ça montre l'authenticité de votre vie chrétienne. Est-ce que je comprends un peu ma fille Sidonie? Marlise. Mon fils Pierre. Ça montre l'authenticité. Ça montre que même s'il y a la neige, même s'il y a le feu, même s'il y a n'importe quoi, vous êtes capable d'aller mourir pour... Là, si vous invoquez le sang de Jésus, ça marche. Je croyais que quelqu'un devait acclamer le Seigneur pour lui-même. Je croyais que tu devais acclamer le Seigneur pour toi-même. Je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Il n'y a pas eu de train. Tu as tout fait pour être là. Tu as bravé. Je ne sais pas combien de chemins tu as pris. Qu'est-ce que tu as pris pour pouvoir être là ce matin? Tu as bravé tout cela. Alléluia. Et tu es arrivé. Ça montre ton authenticité. Ceux qui ont dit, ah bon, on va suivre le pasteur à la télé. On va, bon, est-ce que je peux marcher à pied? En 1995, lorsqu'il y a eu grève ici pendant un mois, la diaconesse m'a raconté, je n'étais pas encore en France, elle venait d'être chrétienne et il y avait la neige. Elle marchait dans la neige pour aller, elle marchait dans la neige pour aller à l'église, aux réunions de prière. Pendant tout un mois, il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de train comme aujourd'hui. Il n'y avait même pas de bus. Aujourd'hui, tu peux prendre même un taxi pour venir au culte. Tu ne prends pas. Ça montre le degré de ton authenticité. Lorsque tu parleras du sang de Jésus, ça n'a pas. Parce que le témoignage et l'authenticité ne suivent pas. Lorsque le témoignage et l'authenticité suivent, le sang de Jésus a une puissance. Alléluia. Donc le sang de Jésus ne peut pas avoir la puissance en ta faveur si tu n'es pas un vrai chrétien. Si tu es un chrétien de circonstance, le sang de Jésus aura son efficacité lorsque tu seras inébranlable devant les compromis et devant le péché. Ne crois pas que tu vas vivre dans le péché. Tu vas dire le sang de Jésus. Satan va dire passe par là-bas. L'ennemi va te dire, passe pas, tu dis quoi même? On parle du sang de Jésus toi-même. C'est comme les fils de Séba. Il dit au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Moi je connais Jésus. Le démon prononce vraiment le nom de Jésus. Moi je connais Jésus, je connais Paul. Vous croyez que le démon ne prononce pas le nom de Jésus? La Bible dit que les démons savent que Jésus, que
Dieu existe, mais ils craignent. Il n'a pas peur de dire le nom de Jésus. Mais toi, c'est qui? Toi qui dis Jésus là, est-ce que tu le connais? C'est pas le démon qui crie, Jésus-Christ, fils de Dieu. Est-ce que c'est le temps que tu es venu pour nous déranger? C'est pas le démon qui est en train de parler. Il y a certains prédicateurs qui disent que les démons ne peuvent pas dire le nom de Jésus. Ils peuvent bien dire le nom de Jésus. Mais ça reste qu'il reste démon. Il sait que Jésus le commande. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, tu ne peux pas ne pas être conforme à la vie chrétienne et tu crois que tu auras la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Pour que la puissance se manifeste dans le sang de Christ, il faut que celui qui veut utiliser le sang dans ses prières vive une vie chrétienne sans compromis, diacre. Sans compromis. Et même pour ceux qui écoutent ce message étant loin, sans compromis. Sinon, tu diras, le sang de Jésus, ça va être vide. Vide de sens. Parce que tu n'es pas habilité à l'utiliser. Tu as une âme que tu n'es pas habilité à l'utiliser. Alléluia. Je dis Alléluia. Tu as une âme que tu n'es pas habilité. Le péché t'empêchera d'avoir le pouvoir et la puissance du sang de Jésus-Christ qui crie en ta faveur. On va conclure par là. On va voir que le sang a une parole, le sang crie. Le sang d'Abel a crié. Genèse chapitre 4, verset 9 à 11 et Hébreux chapitre 12, verset 24. La Bible dit que j'entends la voix du sang de ton. Donc le sang de Jésus parle en ta faveur. Il y a le cri du sang de Jésus. Et Hébreux dit que son sang parle plus fort que le sang d'Abel. Voilà la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Lorsque l'ennemi vient dans ta vie, lorsque l'ennemi vient t'attaquer, le sang de Jésus dit, il m'appartient. Lorsque l'ennemi veut attaquer ta famille, le sang de Jésus dit, c'est ma propriété à moi. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 24. Vous allez lire le reste à la maison. Comme ça, on va avancer rapidement. Je vais conclure. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Et du sang de l'aspersion. Qui parle mieux que celui d'Abel. Qui parle mieux que celui d'Abel. Oh, dans le sang là, ça a une voix. C'est pourquoi lorsque beaucoup de personnes ont commis des crimes d'avortement, souvent ils peuvent entendre ce cri. Il faut demander pardon parce que le cri du sang, ça parle. Quelqu'un entend ce que je dis? Le sang, ça. Le sang parle. Et lorsque vous allez lire Genèse, Dieu va venir vers Caïn, lui disant que mais, j'entends le son et la voix du sang de ton frère crier jusqu'à moi. Dis avec moi, Caïn, le sang de ton frère ne t'élèvera pas. Caïn, le sang de ton frère ne pourra pas t'élever. Caïn, le sang de ton frère ne t'élèvera pas. Ce n'est pas en versant le sang de l'autre que ça va t'élever, ça va crier contre toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc le sang a la capacité de parler. Le sang a la capacité de nous justifier. Le sang a la capacité de parler à ta place et de taire l'accusateur. Pourquoi le sang a été versé? Je vous ai dit que ce n'est pas pour Satan que le sang a été versé. C'est pour Dieu lui-même. Pour que lorsque Satan arrive pour t'accuser, ce sang parle en ta faveur. Alléluia. Lorsque Satan se présente devant toi, a dit Elodie, là, tu ne vas pas lui donner ce mari là. Le sang de Jésus dit, ah, elle a été déjà justifiée par moi. Père, regarde, regarde mes mains, regarde mon côté, regarde ceci. Alléluia. Et comme ça, Satan se tait. Parce que nous avons un avocat. L'avocat ne vient pas sans un dossier.
L'avocat ne vient pas au tribunal, alléluia, sans un dossier pour sa plaidoirie. Et le dossier que Jésus a pour ta plaidoirie, en tant que ton défenseur, c'est son sang. Amen. Satan n'est pas mort à la croix pour toi. Un ange n'est pas mort à la croix pour toi. Un saint n'est pas mort à la croix pour toi. C'est Jésus lui seul qui peut dire devant Dieu, « Père, regarde mes mains. Père, regarde mon sang a coulé pour elle. » Alors, il se tait. Parce que quand Dieu voit le sang, il pardonne. Je dis, quand Dieu voit le sang, il part. Quand Dieu voit le sang, il part. C'est ça la puissance qu'il y a derrière le sang de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Je sais que les gens n'aiment pas de pareils messages, mais c'est le message qui vous édifie pour que vous puissiez grandir. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Le sang aussi, c'est la marque de ton appartenance à Dieu. La Bible dit ceci, lorsque le peuple d'Israël était en train de sortir de l'Égypte, dans le livre d'Exode chapitre 12, je crois à partir du verset 12, Dieu dit, tu mettras le sang sur les linteaux des portes, ainsi lorsque l'ange de la mort passera, alléluia, le peuple sera épargné. Dans le sang de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ dans ta vie, c'est que la mort passe. Lorsque la mort arrive, il voit le sang, il va passer. Lorsque la malédiction arrive, elle voit le sang, il va passer. Lorsque la maladie arrive, elle voit le sang, il va passer. Lorsque l'échec arrive, elle voit le sang, il va passer. Lorsque la stérilité arrive, elle voit le sang, il va passer. Je dis, il va passer. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 12 à 13. C'est la marque que tu appartiens à Christ. C'est la marque que l'ennemi ne peut pas atterrir chez toi. Le sang montre que ta maison n'est pas l'aéroport des sorciers. Le sang montre que ta famille n'est pas l'aéroport de l'atterrissage des sorciers de ton quartier ni de ta famille. Le sang montre que ta maison est glissante. Si un sorcier atterrit chez toi, il y a crash. Amen. Oh non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis il y a crash. Amen. Non, non, je dis il y a crash. Lévons-nous, on va lire la parole de Dieu, on va conclure. Exode 12, versets 12 à 14. Mm-hmm. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Mm-hmm. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, mm-hmm. depuis les hommes jusqu'aux animaux. Oui. Et j'exterminerai j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Dis, le sang me sert de signe. Dis, non, lève ta main, dis, le sang de Jésus-Christ me sert de signe. Le sang de Jésus-Christ me sert de blindage pour ma maison et pour ma famille. Le sang de Jésus me sert de blindage pour mes enfants et pour mon couple. Au nom de Jésus, asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Le sang vous sert de signe, les enfants de Dieu. Je dis, vous avez une arme de dissuasion. Personne ne peut attaquer la France parce que la France a la bombe atomique. Un sorcier ne peut pas t'attaquer parce que tu as le sang de Jésus. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Le sorcier ne peut pas t'attaquer parce qu'il y a le sang qui sert de signe, puissance, autorité divine. Alléluia. Tu veux parler à... Je vous ai dit tout à l'heure, là, le Nigeria, c'est au moins 400 millions d'habitants qui viennent attaquer la France. La France va raser le Nigeria en un clin d'œil. Parce que quoi? La bombe atomique. Alléluia. Que les sorciers qui sont dans ton village, là, le sang te sert de signe, qu'ils viennent. La Bible dit qu'ils viendront par un chemin et quitteront par sept. Alléluia. Et la Bible dit qu'un chassera 1000, mais deux chasseront 10 000. Ça, c'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Bombardement. Bum, 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 bum. Alléluia. Bum, 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 bum. Attaque, c'est bam, 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 bam. Ils vont mourir en série. Je dis, ces sorciers mourront en série. Ceux qui attaquent ta vie mourront en série. Je dis, mourront en génération. Alors, quelqu'un ne dit pas amen. Non, quelqu'un ne donne pas le vrai amen. Alléluia.
C'est ça la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, pour conclure alors, 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. Vous allez le lire à la maison. Il est venu, c'est lui Jésus qui est venu, non seulement avec l'eau, mais avec l'esprit, l'eau et le... Et ces trois choses sont d'accord. L'eau, l'esprit et le sang sont d'accord. Quelqu'un ne... Non, lisons le verset parce que c'est très puissant. Parce qu'après on va prier. Alléluia, on va prier. Oh, il est venu avec quoi? L'esprit, l'eau et le sang. Quelqu'un se lève. Lève-nous, on va lire cette bonne parole de Dieu. Lève-toi, tu vas lire cette bonne parole de Dieu avec moi. 1 Jean 5, versets 6 à 8. Oui. C'est lui, Jésus-Christ, ouais, qui est venu avec de l'eau et du sang. Avec de l'eau et... du sang. Donne-moi une bouteille d'eau, là. Diacre, donne-moi ta bouteille. Oui, je prends la bouteille du diacre, parce que c'est de lui que j'ai été inspiré ce matin. C'est lui, Jésus, qui est venu... avec l'eau et du sang. Avec l'eau et du sang. Et non avec l'eau seulement. Non avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. Mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit. Et c'est l'esprit. Qui rend témoignage. Qui rend quoi? Témoignage. Témoignage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Parce que l'esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Dans le ciel. Dans le ciel. Le Père. Le Père. La parole. La parole. Et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Et ma version dit ceci. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont. D'accord. Les trois sont. D'accord. Ma version dit l'eau, l'esprit et le sang. Rend témoignage et les trois sont d'accord. Amen. Si l'esprit rend témoignage et que l'eau rend témoignage et que le sang rend témoignage, lève ta bouteille d'eau, on va prier, tu vas boire. C'est la première fois qu'on fait ces choses dans cette église. Alléluia. Seigneur, nous rendons que cette eau rend témoignage de notre victoire. Que cette eau rend témoignage de la guérison de Jésus-Christ. Que cette eau rend témoignage. Parce que tu nous as dit que trois choses rendent témoignage dans le ciel. L'eau, l'esprit et le sang. Seigneur, je prie afin que cette eau, par quiconque boira cette eau, qui est le témoignage de la guérison dans sa vie, qui est le témoignage de la délivrance dans sa vie, qui est le témoignage de la réussite dans sa vie, qui est le témoignage de l'élévation dans sa vie. Au nom de Jésus, la Bible déclare qu'il y avait un malade qui était assis à côté de la piscine de Bethsaïda et l'ange agitait l'eau et la première personne qui tombait dans l'eau était guérie. Père, j'agite cette eau et dans ton ange, je l'agite. Quiconque boira cette eau, reçoive sa guérison. Quiconque boira cette eau, que toute maladie soit anéantie et disparaît de sa vie. Quiconque boira cette eau, Père, ce matin tu me l'as montré. Oh Dieu, reçois sa délivrance. Reçois le témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. L'eau, l'esprit et le sang rend témoignage ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Diacre, prends ton eau. Bois. Tu peux boire ton eau. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous donnerez des témoignages après. Vous donnerez des témoignages après. Alléluia. Et si tu es malade, commence à confesser ta guérison. Que cette eau qui rend témoignage dans le ciel, l'eau, l'esprit et le sang rend témoignage. Alléluia. Et ce témoignage, ils sont d'accord. L'eau est d'accord que tu sois guéri. L'esprit est d'accord que tu sois guéri. Le sang est d'accord que tu sois guéri. Je croyais que quelqu'un devait acclamer ce matin. Je croyais que tu devais acclamer vraiment ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai fait ce que le Saint-Esprit m'a montré de faire ce matin. Alléluia. Amen. On va passer rapidement